la question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont réveillés? Ah. Bon, en attendant, je vais chanter un petit peu, en attendant que les gens se réveillent. Salut mon ami Pegasus, comment tu vas? Alors, on vérifie sur... Peux-tu me donner une petite indication sur le son? Comme d'habitude. Salut Jacota. Jacota, là j'étais en mode avion, bravo. Comment ça se fait que j'arrive pas à l'enlever? Stéphanie, bonjour Stéphanie. J'ai vu que tu étais en vacances, Stéphanie. J'espère que tu profites un maximum. Donc là, vision sur le palais de la Méditerranée. 4 personnes déjà online. Vite, j'écoute si elles sont. Merde, j'avais le son, j'ai coupé. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ah, dis donc, il y a le son, mais c'est pas le son du truc. Comme d'habitude. Salut Mika. Donc maintenant, ça y est, tu as les. Tu vas me dire que tu as les notifications. Allez, je te fais un petit tour d'horizon. Palais de la Méditerranée, donc tu as compris. On est sur la promenade des Anglais, à Nice. Hein, voilà. Superbe temps, superbe plage. Hein, ça nous change un petit peu de la cité des sciences d'hier. Et ces fameuses chaises bleues, hein, tu sais, qui sont... ces chaises bleues, c'est un petit peu la marque de fabrique de Nice. Ah, mais je t'ai pas montré ma gueule. Regarde, voilà. Très dispo le jeune. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon ben on est, je suis un petit peu, bon je suis pas à la bourre, on est samedi, on va dire que voilà c'est samedi. Yep, tu es en vacances, où est-ce que tu es en vacances Mika? Essaye de, non n'essaye rien, je veux toujours, j'ai toujours envie de faire des petits trucs, si je sais que ça. En fait c'est ici, il y a pas loin là qu'on est arrivé l'autre jour. Salut Letty, salut Joachim. Encore du sport. Salut Christelle Pelletier. Salut Stéphane Denis. Qui c'est qui d'autre est là? Il y a Wilfried qui est là, qui dit qu'il est en vacances. Et Pegasus Lolo qui was le first. Et Stéphanie. Stéphanie, tu es encore en vacances, hein, si j'ai bien vu les images de plage. Donc je disais que c'est ici il y a quelques jours. Hein, ben ça s'est fait quoi? Il y a 2 semaines? Ah oui, 2 semaines déjà. 2 semaines qu'on a achevé le road trip. C'était un petit peu plus loin là-bas. À Toulouse, puis à Thionville. Ben, c'est bien. Voilà. Thionville, tu passes par Paris alors. Je suis un petit peu en contre-jour, c'est peut-être ça qui fout un petit peu la misère sur l'image. Voilà, je vais faire comme ça. Tu vas moins voir la plage, mais tu vas plus me voir. Toi, tu es encore en vacances, mais tu ne m'as pas dit où. Alors, Sandrine Pio qui est là. Dis donc, il faudrait que je regarde ici, c'est plus facile. Salut Sandrine, salut Sergueï. C'est chez toi. Ben voilà, je suis sur la promenade des Anglais. J'aime bien. On ne m'attendait pas sur la promenade des Anglais aujourd'hui parce que ben, hier j'étais à la Cité des Sciences. Mais c'est comme ça. Le Totof, il est comme ça. Alors je peux te dire qu'au niveau température, ça tape sérieusement. Je suis d'autant plus surpris que je viens de me taper de la voiture climatisée. Et crois-moi que quand tu sors, tu es saisi. Hein. En fait, ce que tu lis sur le thermomètre externe de la voiture qui te dit que tu es à. Tu es à 32 degrés, tu dis c'est un chiffre. Et je peux te dire que quand tu te le prends, tu te le prends. C'est correct. Salut Romuald, salut Marlène. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le groupe? Je t'avouerai qu'en dehors de la. Après avoir validé la VDS hier soir, j'ai rien fait d'autre. J'ai vu ce matin qu'il y avait eu un truc signalé. En dehors de ça, je laisse les modos bosser. Est-ce que tu as remarqué que les modos ont fait une petite chanson hier? Un petit truc sympathique. Qui, bah comme ça, voilà, ça remarque l'été. Si tout va bien, je termine le montage demain et j'en mettrai un petit bout. Salut Romuald. Alors, filmez avec le iPhone parce que j'espère toujours qu'un jour, les AirPods fonctionneront avec Facebook. Voilà, donc on est vraiment là. Je vais te montrer l'image. C'est vraiment là, voilà. C'est vraiment tout au bout là-bas, le plage du Roule. Je ne sais pas si tu as vu les images. D'ailleurs, l'image, elle est encore dans la VDS. C'est vraiment là qu'on a fait l'arrivée l'autre jour, vendredi. Et c'est ici qu'on avait dû boire un coup parce qu'on n'en pouvait plus de... On avait soif après notre périple. Voilà. Et là, tu as la grande baie niçoise. Je ne sais pas si on appelle ça une baie. Voilà. Et super chaleur.
Le Hard Rock Café. Tiens, j'avais pas vu qu'il y avait un Hard Rock Café. D'accord, ok. Je fais les anniversaires pour penser. Là, il fait tellement chaud et il fait tellement clair que je ne vois pas. Je vois pas l'image sur le. Heureusement, j'ai le moniteur de contrôle. Je vais dire une connerie. Pas mon image. Non, ça, je suis reparti là-bas. Hop. Donc, les anniversaires du jour. Ils en ont de la chance, ceux qui aujourd'hui sont en vacances. Soleil, chaleur, c'est le programme de la journée. Joyeux anniversaire à Sabine Génisson, une vieille amie que j'ai rencontrée. Ouh là là, j'ai bien l'impression qu'il y a presque 20 ans qu'on s'est rencontrés, Sabine. À François Barou, à Magali Duringer, à Paogo, à Sandra Manera, et oui, Sandra, ma belle Sandra, la belle brune. Laurent Bright. Pourquoi j'ai dit Bright? Pas en anglais. À Laurent Bright, à Béatrice Meunier, à Tristan Tieck, à Brigitte Bourg, à Lola Posto, c'est un sportif de haut niveau que j'ai rencontré du côté dans le Nord, là-bas. Je ne sais plus si c'était à Lille. Ouais, enfin, c'était dans le Nord. À Flavien Minard, des Oranges Amères, à Aubin Balrage, à Julien Feller, à Myriam Création, qui doit créer. Ça, à mon avis, pour avoir un nom comme ça, doit créer. Et à Valérie Ferrand. Voilà, bis et bulles les amis, vous prenez un an de plus et je vous offre, n'est-ce pas, cette petite vue panoramique sur la plage de Nice, hein, n'est-ce pas? Et puis, ben voilà, pour que ça vous porte bonheur, etc., etc. Salut Grégory Perrin, comment tu vas? Sympa la chanson, oui. La chanson, je ne sais pas de qui c'est l'original, je n'ai pas bien regardé le titre. Par contre, je sais que les paroles arrangées ont été faites par Lalou et une partie des modos s'y est collée, donc tu auras la suite. Tu auras la suite quand j'aurai fini le montage total. C'est assez rigolo ces paroles. En plus, c'est plein de sens. Voilà. Aujourd'hui, c'est la fête. Bonne fête à tous les Jean-Marie et au Vianney. Alors, j'étais persuadé que Vianney, c'était un nom. Mais en fait, non. Vianney, c'est un prénom. Donc voilà, c'est à vous. J'en connais pas. Je connais des Jean-Marie, mais aucun Vianney. Voilà, voilà. Donc, j'ai pas grand-chose. J'ai pas énormément de choses à rajouter. Parce qu'il fait chaud. J'ai soif. Je sais pas quoi dire. Je peux aller peut-être là-bas te montrer le Negresco, le fameux Negresco qui est tout au bout. Ouais, peut-être. Peut-être essayer. Hop, je vais mettre la caméra de l'autre côté. Voilà. Il y a un couple qui se fait prendre en photo par une jolie fille. C'est ça, on est à Nice. Hein. C'est le soleil, c'est les vacances. Tout le monde est complètement à fond. Je lis ce qu'on me demande. Salut, il y a Romu, ben voilà, Romu et Jeuneux qui se font des saluts au travers de la matinale. C'est super, hein, c'est bien. Salut Christophe, tu es à Nice, moi je suis à Cannes et je vais à Nice demain. Oui, alors je vais à Cannes tout à l'heure. En fait, je vais à Cannes, à Boca. Et ensuite, c'est fini. Je ne suis à Nice que pour la journée. Donc Grégory, ça va être difficile de se voir. Qui c'est qui dit Jus, salut Jus Brodier. Marlène Grandjean qui est là aussi. Stéphanie, tu m'as pas dit où tu étais en vacances? Est-ce que tu vois là-bas dans le fond, là-bas, le haut du Negresco? Ça, c'est ce qu'on voit sur toutes les plages, enfin toutes les cartes postales de Nice. Le Negresco, c'est un truc hyper connu. Et je vais te faire un petit effet cinématographique sur les chaises bleues de Nice. Voilà. Ça pourra servir sur une vidéo par la suite. Voilà. Et le Lido Plage, il y a une dizaine d'années, peut-être même plus. Le Lido Plage, c'est un plagiste. J'y ai travaillé, j'y ai bossé la nuit en faisant de la musique. Ça n'a pas duré longtemps, au bout de 3 semaines il s'est fait fermer parce qu'à Nice on n'avait pas le droit, je crois que c'est toujours pareil, on n'a pas le droit de faire de bruit la nuit. Et donc voilà, c'était un bel endroit, en plus tu vois on a juste la route juste à côté, c'était quelque chose. Voilà, pourquoi je te montre la route comme ça, c'est comme ça qu'il faut que je te la montre. Voilà, la route ici et le Lido Plage qui était en fait le plagiste du Palais de la Méditerranée.
Alors, je lis un petit peu pour voir s'il y a des questions. Grégory, on se croisera peut-être sur la croisette. Bonnes vacances à toi, le roi des agrumes. Merci, merci Grégory. Je suis juste pas en vacances. J'ai fait un petit voyage éclair ici. Je remonte, tu verras demain, la matinale, elle sera de Paris ou des environs. Mais c'est gentil, mais pas je ne... Hein ? Mais mon boulot, c'est des vacances en permanence. tu es dans le Finistère, un peu de fraîcheur pour toi. Ouais, j'espère, parce que là, franchement, honnêtement... Hein, c'est pas, tu vois, moi, j'irai pas à la plage aujourd'hui. Je sais pas si tu vois là derrière, il y a des gamins à la plage. Ça doit être hyper hyper difficile, hyper compliqué. Romu, je suis à la Réunion. Bah oui, il sait que t'es à la Réunion. Qu'est-ce que je vois? Elouche qui m'a invité à venir faire un tour à Menton. Avec plaisir, ma belle. Sauf que là, ce coup-ci, ça va pas être possible parce que je fais juste l'aller-retour. Je remonte ce soir, mais t'inquiète pas, il y aura bien un moment où je pourrai descendre à venir à Menton quand j'aurai un peu plus de temps sur place. Voilà, voilà. J'ai pas tagué les gens dont c'est l'anniversaire. Salut Anthony Kess, salut Caroline NB. Qui est d'autre? Je regarde. Non, ben pas grand monde. Voilà. Bon, ben les agrumes, c'était vraiment histoire de vous faire un petit coucou ensoleillé. J'ai du mal à tenir et pourtant je suis en blanc aujourd'hui. J'ai énormément de mal à tenir. Je vais te quitter. La vision sur l'extérieur. Est-ce que c'est l'extérieur? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est l'extérieur. Voilà, les beaux bus de Nice, l'hôtel. Et je vais aller traverser la route. Comme ça, je vais te montrer un petit bout. Voilà, donc là, ici, c'est la petite... Il y a une piste cyclable. Et depuis l'attentat de Nice, tu vois, il y a des grosses... des câbles qui empêchent éventuellement qu'un véhicule puisse monter sur la croisette des avions. Je ferai la matinale à partir du bas d'ici. Voilà. Allez, on va traverser tranquillement la rue. On va se rentrer.